Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est votre bon vieux Cinejin qui a proposé le Wrestling News de ce soir et donc on parlera de Devol, de Page et du Pay-Per-View Money in the Bank. On va commencer déjà avec sans doute la grosse sensation du soir, Devol dont on disait parti à la WWE serait en passe de faire son retour à WWE Raw. Mais pas en tant que lutteur poids moyen, mais bien en tant que lutteur poids lourd. Comprenez donc eh bien, qu'il irait défier des Roman Reigns, des Bray Wyatt, de Jason Jordan, si l'envie s'y prenait. Maintenant, on attend bien sûr ce soir pour en savoir plus, mais c'est quand même une bonne nouvelle. Et on va continuer maintenant avec Paige. Et avant que le copyright me frappe, à Raw et à SmackDown, nous avons eu deux offensives. Et bien, d'après Brian Alvarez, les deux offensives seraient de la même personne, Paige. Personne ne sait comment cela sera justifié, car il sera difficile pour la Britannique de se retrouver dans les deux shows Raw et SmackDown avec la division des rosters. Et on va terminer maintenant avec le pay-per-view Money in the Bank 2018. Alors vous le savez, ça sera un pay-per-view inter-roster. Mais ce que vous devez savoir, c'est qu'en plus des mallettes féminines, des mallettes pour les ceintures majeures, on discute d'une mallette pour les ceintures par équipe. Au niveau des participants, tout comme les deux autres mallettes, ils seront, eh bien, question des deux rosters respectifs. Voilà, vous savez tout, c'est donc la fin du Wrestling News. J'espère que l'émission vous a plu. Et bien sûr, à aimer, vous partager, la montrer à vos plots. Gros bisous à tout le monde et on se retrouve bien sûr demain. Ciao tout le monde, bonne nuit, hasta la vista, bye bye.